$1 pour 100 tonnes par kilomètre. Bonsoir et bienvenue encore à tous une fois de plus à ce webinaire de présentation de notre technologie Accord. Cette technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde et qui va à coup sûr occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est encore moi, Donatien Gérard. Aujourd'hui, nous parlerons, comme d'habitude, d'abord des dernières nouvelles sur le projet de transport Accord. Et ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons ainsi des problèmes. Quatre principaux problèmes du transport moderne actuel et nous verrons comment le transport à cordes que Skyway offre vient résoudre ces différents problèmes-là. Eh bien, nous verrons les possibilités, les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Qu'est-ce que Skyward Community vous offre? Quel avantage, perspective et bénéfice tirerez-vous de votre participation à ce magnifique projet? Alors, sans toutefois tarder, nous venons-en au fait. Eh bien, ce certificat de conformité montre clairement que le transport à cordes réunit toutes les conditions nécessaires et a déjà obtenu l'agrégation et l'aval pour pouvoir être fonctionnel. À propos de la certification des solutions de transport et d'infrastructure Sky, tous les composants du complexe de transport et d'infrastructure Sky sont développés dans le respect des règlements locaux et internationaux applicables. La combinaison harmonieuse des exigences nationales et internationales rend les produits U-Sky capables de s'adapter rapidement à n'importe quel marché. Plus de 600 professionnels sont impliqués dans la conception, la certification et le réglage des produits au sein du groupe UST. Ce transport cadre réglementaire interne basé sur les exigences internationales les plus strictes en accord de concept de transport à cordes. Règlement de l'ONU, l'UE, l'US et bien d'autres, incluant les tramways, les bus et les chemins de fer, tram, métro, chemin de fer, des moyens de transport. Les objets de trafic et d'infrastructures complexes dont la conformité doit être évaluée
sont véhicules. Confirmer la conformité selon un formulaire approuvé par l'organisme de réglementation des transports de la sécurité nationale. Le système de contrôle aussi est OK. Communication, le système logiciel, le système de contrôle ferroviaire, le système de contrôle des objets d'infrastructure, les objets d'infrastructure tels que aussi les viaducs ferroviaires en fil de fer, système énergétique, bâtiments et structures. Le processus de conformité, de la conformité des systèmes de transport accorde à l'échelle mondiale. Il y a une approbation des demandes auprès des autorités de régulation d'un pays donné, testée dans les laboratoires accrédités permanents, pertinents autant pour moi, développer des preuves de sécurité. Par conséquent, la certification de tous les systèmes de transport, y compris les systèmes innovants, est une preuve de sécurité lorsqu'il suit les exigences nationales et ou internationales d'un pays où se situe le projet cible en cours de réalisation. USKY Transport développe des solutions de transport et d'infrastructures qui appliquent des approches systématiques et les cadres juridiques internationaux actuels dans la conception et la construction pour assurer la fiabilité, la sécurité, la facilité d'entretien et la maintenabilité du système de transport. Grande nouvelle encore, les amis, la société américaine Quadratic est devenue partenaire de Unisky String Technologies en Arabie Saoudite. Quadratic a annoncé sur son site internet avoir signé un accord de distribution exclusive avec une société qui développe le transport à cordes au Moyen-Orient. Les détails de l'accord ne sont pas connus. Cependant, le site web de Quadratic indique que la société a désormais le droit de distribuer le transport de cordes en Arabie Saoudite. La coopération avec Quadratic peut élargir les opportunités du projet pour la mise en œuvre commerciale et augmenter le nombre de projets ciblés prometteurs. Développement Quadratic LLC est une société américaine qui fournit des services de construction et de transport en béton léger et en acier léger. Aujourd'hui, la majeure partie des projets de Quadratic sont situés en Arabie Saoudite. Encore une fois de plus, nous parlons de ce fameux Google Authenticator. Du temps supplémentaire a été donné pour connecter l'authentification à deux facteurs. Nous avons examiné vos appels et avons décidé de reporter la date après laquelle Google Authenticator sera le seul moyen de confirmer les transactions dans votre back-office. Au lieu de 2027, cela se produira plus tard dans le mois prochain, donc le mois de mai. Nous vous rappelons pour que vous puissiez confirmer la transaction à l'aide de Google Authenticator, vous devez activer l'authentificateur à deux facteurs. C'est obligatoire pour les transferts de fonds entre vos comptes de bureau personnel, les retraits de bureau personnel, les retraits des charges de référence du bureau personnel. Vous n'avez pas besoin d'activer l'authentification à deux facteurs pour l'autorisation dans votre bureau personnel, recharger le compte dans le bureau personnel, réaliser un investissement. En d'autres termes, vous pourrez vous connecter à votre bureau personnel, recharger votre compte et effectuer des investissements sans authentification à deux facteurs. Ces fonctions seront disponibles comme avant. Mais si vous souhaitez sécuriser votre bureau personnel, ainsi que retirer les cumuls de bonus de parrainage et transférer des fonds vers d'autres partenaires, eh bien, vous devez activer l'authentification à deux facteurs. Cependant, nous recommandons d'activer l'authentification à deux facteurs pour tous les cas. Cela fournira une protection
supplémentaires pour votre bureau personnel. Après la mise à jour du mois prochain, le code d'authentification à deux facteurs actif à l'heure actuelle dans l'application Google Authenticator sera valide à la fois pour la confirmation de la connexion au bureau personnel et la confirmation de transaction. Eh bien, la technologie Accord, qu'est-ce que c'est? Il s'agit ici d'une technologie de transport innovante, écologique et la moins chère qui soit. Une solution innovante au problème de transport urbain de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Eh bien, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit là, tout haut, une escalade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues, mais dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Posez-vous des questions. Cette situation que vous voyez ici ne nous est pas du tout indifférente, non. Elle nous est très familière, quel que soit le pays du monde dans lequel nous vivons. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. De nos jours, chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont donc obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport qui provoque clairement des embouteillages, ainsi que le manque de sécurité qui cause donc la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Celui-ci reste persévérant et insistant. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci étant persévérant, tellement insistant, il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le poison que l'on utilise aujourd'hui est carrément un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Eh bien, le prochain problème majeur donc de notre époque, le troisième, c'est la pollution de l'environnement. Notez bien ces différents problèmes. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie, non. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons directement, okay, ou bien je dirais même indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles qui, eux, polluent l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Le quatrième défi de notre époque est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses. Les forêts, les rivières, les ravins. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine.
Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos n'ont jamais été classées comme confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue-rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Ne confondez pas ce système de transport, bien évidemment, avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui, donc, a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, U-Sky. On entend parler de U-Sky, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que U-Sky? Eh bien, il s'agit en fait d'une infrastructure à cordes, OK, constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire les routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant autant pour moi les écosystèmes dans les zones de développement. Sur cette base, donc, l'infrastructure des transports et des nouvelles villes et formation changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. À cette fin, jusqu'à disposer déjà de plusieurs solutions plus ou moins sophistiquées. L'exemple le plus ambitieux est une ville linéaire, un établissement urbain de type cluster qui s'intégrera harmonieusement dans l'environnement naturel grâce à l'utilisation des systèmes de transport à cordes. On a parlé d'écomaisons. Eh bien, voici en image à quoi ressemble une écomaison, OK, disponible déjà en Biélorussie, dans l'écotechnoparc et aussi à l'écotechnoparc de Chargeant en Biélorussie. Voici une autre perspective de la ville linéaire. Eh bien, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, avant de continuer, j'aimerais que nous fixions le problème afin qu'on sache où on va. Ici, le problème, il est clair. Il consiste à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre confortablement. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image clairement. Et la prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, ce que les hommes ont fait. Mais il s'est toujours avéré inefficace. Rappelons la méthode utilisée par les enfants et utilisée précédemment pour traverser la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose plutôt le câble. Et les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe
nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi que se présente cette structure de rail unique. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. On a le corps du rail, les cordes, la tête du rail et un élément qui permet de remplir le rail. C'est en fait un béton flexible. Eh bien, sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajets à cordes, chacune d'elle ayant ses propres tâches et avantages. Les rails semi-rigides qui peuvent aller de 50 à 250 km par heure. Je parle des véhicules qui vont rouler sur ces rails semi-rigides. Et les rails rigides qui peuvent permettre aux véhicules d'aller de 100 à 500 km par heure, vitesse autorisée. Et des rails flexibles qui vont entre 30 et 150 km par heure, vitesse autorisée. Regardez cette image, les dimensions réelles du rail semi-rigide et aussi flexible. Ce photomontage montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Et ceci n'est plus un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Bien sûr, la conception a un système anti-déraillement spécial. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont obtenu un brevet et un certificat. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs donc créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie et de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie de celui-ci augmente également considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Eh bien, cet appareil peut permettre, d'aérodynamisme, d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant, rappelons les problèmes suscités qui sont les problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Et maintenant, sur ces diagrammes, on peut voir donc comment le système de transport à cordes résout ces différents problèmes. C'est le plus optimal. Bien évidemment, le transport que U-Sky offre est peu en vert. U-Sky a donc la solution la plus optimale en termes de coût du capital, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité
Le niveau de pollution environnementale et le taux d'accident du transport. Ce graphique montre clairement l'avantage du système de transport à cordes par rapport aux autres transports. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Du Sky a un coût par kilomètre de près de 10 fois moins que tous les autres systèmes. C'est le système que tout le monde attend. Nous pouvons donc dire que le transport à cordes est un transport léger, et rapide, économique et surtout écologique. Tout le monde peut investir dans le projet. Appelez la personne qui vous a fait part de ce projet tout de suite et demandez-lui de vous aider à créer votre compte sur le back-office de Skywalk Community et à prendre votre part. L'entreprise propose un investissement pour tout type de budget à partir de 50 dollars. Aussi, un versement pratique est mis sur pied. Diviser le paiement du package d'investissement par 5 mois. Il y a plus de 400 000 investisseurs dans ce projet aujourd'hui, y compris des hommes d'affaires, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Les perspectives en participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? Tout d'abord, des dividendes lors de la mise en œuvre réussie des projets. Vous allez recevoir en tant que copropriétaire des bénéfices, donc des dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera. Le rachat d'actions. L'entreprise peut décider de racheter les actions des investisseurs. Elle a déjà fait en 2018. Les 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un montant allant à près de 10 fois le montant investi. Le troisième élément, c'est les héritages. Les parts d'actions que vous avez aujourd'hui sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle de l'action est bien inférieure à la valeur nominale de 1 dollar. L'entreprise plus tard pourra décider d'entrer sur le marché boursier et là, vous pourrez bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur ce marché-là. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Yuniski, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et 200 articles scientifiques. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.com. Ingénieur, il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Ici, sur cette diapositive, actuellement, sept modes de transport ont été développés. D'accord? Sept modes de transport ont déjà été développés. Et pour le transport des personnes, bien évidemment, voici à quoi ceci ressemble. En grandeur nature, ici on a cinq modèles de véhicules différents et d'une autre part, quatre modèles de transport pour les marchandises ont été développés. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et des eaux sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les zones ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec les méthodes modernes de livraison de structures, de construction par des drones volants fournis également par la technologie, il n'est donc pas nécessaire poser les voies d'accès au site d'installation des supports. Ce transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines ayant ses propres supports. Il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes
exposition internationale où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition In a Trance. Notez la photo en haut à gauche. On voit bien les employés du stand de téléphérique suisse qui regardent tous en direction de Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil par une forme futuriste et inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant donc que le transport à cordes a passé tous les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. La technologie de transport à cordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et récompenses également. Et sur cette issue, les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uniski.ingénieur. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà donc pourquoi la société Uniski Technologie.co a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et de passagers. L'agent des investisseurs a permis jusqu'ici de construire un écotechnopark non loin de la ville de Minsk en 2019, déjà en Biélorussie. Chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux la réalisation et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis, dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient. Ces photos, comme vous voyez, sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement et naturellement à l'environnement et ne nous surprendra plus comme le fait aujourd'hui le métro et le tram. Ils ne nous surprennent plus du tout. Ainsi, nous pouvons résumer en disant que le système de transport à cordes est un transport tout d'abord innovant, qui se déplace au-dessus du sol, bien évidemment, à haute vitesse. Il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de la technologie du transport à cordes et plus les dernières nouvelles du projet. Ciao! Thank you.